Potrebbe alcuno dubitare donde nascessi che ad Agatocle e alcuno simile, dopo infiniti tradimenti e crudeltà, possa vivere lungamente sicuro nella sua patria e difendersi dagli inimici esterni, e dai suoi cittadini non gli fu mai cospirato contro. Con ciò sia che molti altri, mediante la crudeltà, non abbiano etiam nei tempi pacifici potuto mantenere il loro stato, non che nei tempi dubbiosi di guerra. Credo che questo avvenga dalla crudeltà male usate o bene usate. Bene usate si possono chiamare quelle, se del male è lecito dire bene, che si fanno a un tratto per la necessità dello assicurarsi e di poi non vi si insiste dentro, ma si convertiscono in più utilità dei sudditi che si può. Male usate sono quelle le quali, ancora che nel principio siano poche, piuttosto col tempo crescono che le si spenghino. Alors, nous trouvons dans un de ces chapitres assez classique du prince qui tente de justifier certains usages de la violence, certains usages de la cruauté. Mais il me semble que l'erreur serait d'interpréter ce type de chapitre en se contentant de penser, selon l'interprétation qu'on pourrait appeler machiavélique, qu'il s'agit ainsi simplement d'établir une distinction entre des moyens et des fins, des bonnes fins pouvant justifier des mauvais moyens. Et c'est ce que je vais essayer de montrer, qu'au contraire, avec certaines stratégies rhétoriques spécifiques, Machiavel parvient dans ce passage à véritablement établir une intrication du bien et du mal. Alors je voudrais d'abord m'arrêter sur quelques mots qui sont glissés dans le texte, entre parenthèses. Hein, comme je l'ai lu tout à l'heure, Machiavel nous dit qu'il y a des bons usages, qu'il y a des choses qui peuvent appeler bonnes dans l'usage du mal, et il ajoute, entre parenthèses, avec cette ironie qu'il a toujours, « C'est del male e lecito dire bene ». Je crois que cette proposition, « C'est del male e lecito dire bene », a énormément d'effets, en particulier quant à l'intrication du bien et du mal dans le texte machiavélien. Alors d'abord, il faut se rendre compte, si on tente de traduire ces mots-là en français, c'est del male e lecito dire bene, qu'il s'agit à la fois ainsi de vouloir dire si tant est qu'on peut dire du bien et du mal, mais aussi de manière plus froide, si ou si tant est que du mal on peut bien parler, c'est-à-dire on peut parler avec sagesse. Alors je crois qu'il ne faudrait pas interpréter ce passage-là comme s'il s'agissait sur la base d'une répartition forte et nette, ontologique en quelque sorte, du bien et du mal, de proposer une science de leur mélange dans le chef de Machiavel. S'il doit y avoir effectivement chez Machiavel un appel à des catégories définies du bien et du mal, c'est, me semble-t-il, de manière soit intuitive, soit purement conventionnelle. Mais ce qui compte, c'est bien plutôt ce qu'il fait de ces catégories-là, et finalement, chez lui, il n'y a jamais de questionnement de nature ontologique, voudrais-je dire, sur la présence du bien et du mal. Ce qui compte, c'est bien plutôt le fait que il s'agit, en utilisant ces catégories du bien et du mal, de produire ce que j'ai appelé tout à l'heure leur intrication, ou encore de montrer qu'il y a toujours du bien dans le mal et toujours du mal dans le bien, etc. Alors c'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble du prince et même des discours. Si on prend le chapitre 1.26, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, chapitre 1.26 des discours,
Machiavel insiste ainsi sur le fait que le prince doit pouvoir entrer en mal, doit vraiment entrer dans la catégorie du mal, et qu'il ne peut, tel l'homme privé, se contenter d'éviter ce qui est considéré comme mal, mais qu'il doit assumer son statut d'homme politique en faisant usage ou en se confrontant à la catégorie du mal. Alors il me semble que cette idée d'entrer dans le mal doit être considérée comme bien plus puissante et bien plus grave que celle qui consisterait simplement à considérer qu'on doit faire un usage du mal. C'est dans la mesure où l'usage du mal maintient d'une certaine manière, l'usage du mal au profit du bien laisse entrevoir en quelque sorte qu'on peut maintenir la distinction du bien et du mal. Là où au contraire, toutes les propositions de Machiavel, comme je l'ai dit tout à l'heure, me semblent tenter de produire cet effet d'intrication, de mélange sans cesse des deux catégories. Et donc, pour en revenir à ce chapitre 8, Machiavel nous dit qu'il voudrait, qu'il entend se questionner, bien se questionner sur le mal. Alors, que produit-il dans la suite du chapitre, du petit texte en question par lequel j'ai commencé? Il nous met en fait face à un danger, à savoir le fait que ce qui nous guette, c'est de vouloir utiliser de manière modérée ou encore de manière mesurée le mal, de faire appel à la cruauté en tentant de ne pas être trop cruel, c'est-à-dire de ne pas assumer pleinement cette nécessité d'entrer en mal, pour le dire avec le chapitre des discours que je citais tout à l'heure. Donc, alors là, nous avons un nouveau visage qui s'offre pour ce rapport du bien et du mal, nouveau visage qui ne relève pas du tout de la possibilité qu'on aurait en quelque sorte de composer l'un et l'autre. Il ne s'agit pas de prendre acte du fait qu'il y a du bien et du mal et de vouloir dès lors tendre vers une position qui consisterait dans une demi-mesure entre les deux, hein, dans une position de tiédeur, une pondération, une médiocritas, une voie du milieu entre le bien et le mal. Et me semble que se glisse ici tout un discours qu'on pourrait qualifier de manière un peu simple d'anti-aristotélicien. Alors je ne crois pas que ce soit Aristote lui-même, évidemment, qui soit visé ici, mais un certain topos aristotélicien présent à cette époque-là, qui consiste à envisager la vertu, dans le jugement pratique, la vertu comme juste milieu entre un manque et un excès. Comme voie du milieu, comme via del mezzo, comme le dit souvent Machiavel, entre un manque et un excès. Que fait Machiavel face à cette position-là, qui consisterait à dire, entre le bien et le mal, tentons d'avoir un usage parcimonieux, limité du mal, pour ne pas, et à ne pas en tomber en cruauté, en quelque sorte. Que répond Machiavel à ceci? Il montre que la voie du milieu, la position de la médiocrité, la position de la tiédeur, n'est en fait qu'un manque. Hein, la voie du milieu est un manque, qui renverse exactement les catégories aristotéliciennes, et qu'au contraire, l'excès devient une force. Alors on retrouve ça dans plusieurs chapitres, ce type de positionnement, on le retrouve dans plusieurs chapitres de Machiavel, c'est même un raisonnement constant. D'abord, souvenons-nous par exemple de l'appel qu'il fait sans cesse à la jeunesse, hein, qui... les jeunes qui sont les amis de la fortune parce qu'ils savent la frapper, hein, etc. etc. On trouve là, évidemment, et ça a été montré par beaucoup d'interprètes, évidemment quelque chose qui est un relent fortement anti-aristotélicien en ce qu'il fait l'éloge d'un âge de la vie qui n'est pas l'âge mûr, qui n'est pas l'âge entre la jeunesse, les excès de la jeunesse et les manques de la vieillesse, mais au contraire qui se fait un âge qui est celui des excès de la jeunesse, hein, donc toujours cet éloge de l'excès. De la même manière, dans le discours 1-6, hein, dans ce fameux chapitre où Machiavel confronte Sparte et Rome, enfin, ou même Venise, peu importe, il fait le même raisonnement pour écarter la possibilité qu'on aurait de composer entre les avantages de Rome et les avantages de Venise ou de Sparte, en mettant de côté les inconvénients intrinsèques à chacune de ces positions. Il n'y a pas de bien sans inconvénient, il n'y a pas de bien sans mal, et il n'y a pas de voie du milieu, il emploie, je crois, ces mêmes mots, hein, il n'y a pas de position d'équilibre, dit-il aussi dans ce chapitre 6, qui nous permettrait, d'une certaine manière, de profiter des avantages de Rome et de profiter des avantages du modèle spartiate. Il faut assumer pleinement les inconvénients qui sont propres à chacune de ces possibilités. Donc, de nouveau, cette même manière d'écarter toute possibilité d'une voie du milieu.
Alors c'est précisément ce qui fait dans ce chapitre 8 du prince dont je suis parti. Hein. Il s'agit, comme il nous le dit dans la suite de son propos, de faire un usage rapide, immédiat, d'un seul coup, sans mesure de la cruauté, parce que sans cela, celle-ci ne peut que se prolonger. Hein. Alors l'idée aussi de la violence rapide et constante chez Machiavel, il y a toujours un refus de se donner du temps, un refus d'attendre au profit, au contraire, d'un geste rapide et impétué. C'est-à-dire, il s'agit de refuser de tenter cette voie du milieu entre le bien et, mal, et le mal dont je parlais tout à l'heure, en ce que celle-ci resterait pleinement habitée par un souci de sauver la moralité, sauver la moralité par un usage en quelque sorte parcimonieux, limité, modéré du mal. Or, que nous dit Machiavel, ceci produirait plus de mal que de bien. Hein, c'est-à-dire vouloir se limiter dans son usage du mal, vouloir être modéré dans son usage du mal en tentant une composition du bien et du mal produit plus de mal qu'un usage impétueux, rapide, direct de la violence. Alors ce chapitre, et je crois que je dois terminer par là, ce chapitre peut directement être lié avec, me semble-t-il, deux chapitres des discours, les chapitres 26 et 27 du livre 1 des discours, dans lesquels Machiavel commence par faire l'éloge de Philippe de Macédoine et de l'usage radical que celui-ci avait de la cruauté, hein, puisqu'il déplaçait des populations, etc., etc., en mentionnant de nouveau de manière parfaitement explicite le fait que l'erreur commune des hommes est de croire qu'il est possible d'utiliser la cruauté de manière modérée, c'est-à-dire de suivre, et il emploie les mots, de suivre une voie du milieu entre le bien et le mal. Et dans le chapitre 27, Machiavel nous donne un exemple tout à fait cynique de ceci avec Baglioni, le tyran de Perugia, expliquant que celui-ci, qui pourtant pour Machiavel, hein, avec cette base de cette moralité un peu conventionnelle auquel il fait appel de temps en temps, était un parfait dépravé, comme l'explique Machiavel. Hein. Malgré cela, il n'a pas osé être parfaitement violent quand il avait la possibilité d'avoir un bon usage de cette violence, à savoir pour assassiner le pape. Hein. C'est-à-dire que malgré sa dépravation, il n'est pas parvenu, il n'a pas osé, il n'a pas eu la vertu d'être honorablement méchant, nous dit Machiavel. Avec de nouveau ce parfait mélange des catégories morales, hein, qui sont donc maintenues, utilisées de manière conventionnelle et bousculées ensuite, hein, puisque ce qui apparaît, c'est que Baglioni n'a pas été honorablement, ou courageusement, ou même généreusement, dit le texte original, généreusement méchant. Il n'a pas eu le courage donc de faire appel de cette manière radicale à la catégorie de la cruauté.